Wow. Merde. Holy shit, holy shit, shit, shit. Lui, il en sang-froid, je pourrais pas le toucher, c'est sûr. Voilà. Voilà. Donc, très bien. Mort subite qui n'a servi à rien. Match perdu? Ok, bien ou quoi les gars, c'est Nation. C'est parti pour vous montrer tout mon stuff actuel. Les tenues, les cartes de pouvoir, le cheval, les armes. Donc je vais tout vous montrer, comme la première vidéo. Et aussi comme le Gavastil 2, sauf que lui, je l'avais fait vraiment rapidement. Donc je vais tout vous montrer. Et à commencer par les fringues, parce que là, il n'est pas habillé. On va aller l'habiller tout de suite. C'est parti. Donc je vais mettre la tenue directement sur moi. Et après, je vous montrerai un par un ce que j'ai. Ok, on va commencer par la première tenue, tenue pour le show, celle-ci. Voilà, donc ça, c'est ma tenue pour le désert et tous les endroits normaux de la map où il fait chaud. Chapeau, on a le chapeau à crotale du Texas avec en couleur noir-rouge, comme d'habitude, ça, ça change pas. Bandana, j'ai un bandana court noir. Donc voilà, seul problème que j'ai trouvé, c'est que regardez dans le miroir derrière, hop, ça traverse la veste. Donc ça, c'est un peu n'importe quoi, faudrait qu'il règle ça. Très rapidement, donc c'est un détail qui me gêne, moi, les petits détails comme ça, ça me gêne. Accessoire de cou, non, du coup, il y avait le bandana. Manteau, donc manteau, on a la veste Benbow en noir et blanche. Donc surtout blanc avec un peu de noir. La deuxième, je vous la montrerai dans la tenue numéro 2. En gilet, j'en ai pas, normalement, ouais, voilà. Chemise, j'ai chemise ordinaire noire, toute simple, donc voilà. En gants. J'ai gants de cavalerie noir, cuir noir sur piqûre rouge. Donc voilà. Boucle, moi j'ai boucle confrontation personnellement parce que c'est un triangle. Je trouve que ça change. Donc je laisse le triangle, je trouve ça cool. Les autres ils sont plutôt ronds à chaque fois. Donc voilà. Équipement pour arme, holster main faible. J'ai holster d'explorateur clouté en rouge. Tous mes équipements sont quasiment en rouge pour faire contraste avec le reste de ma tenue. Ceinture holster, j'ai ceinture holster d'explorateur clouté. Donc voilà, la même chose que l'autre. En rouge aussi. Voilà, je les trouve vraiment super stylés. Pantalon, j'ai toujours le même, je change jamais. Pantalon de ville à revers. Je trouve que c'est le plus cool. Voilà, donc en noir. Plié en bas au niveau des chaussures. Surtout, bottes à l'intérieur du jean, du pantalon. Pour mon style, hein, il faut rentrer les bottes à l'intérieur. Faut pas que ça se voit extérieur, sinon ça fait moins bien. Pas de jambière. Les bottes, j'ai bottes du Fier Prêcheur, donc c'est des bottes vraiment simples, mais vous les choisissez en couleur cuir noir neuve. Comme ça, elles brillent, elles sont pas usées, parce qu'elles sont usées de base. Voilà, comme ça, elles brillent, ça fait stylé, ça fait propre. Éperon, j'ai éperon de vaquero en rouge. Voilà, pour que ça aille avec les ceintures holster, le holster main faible, le chapeau élégant. Voilà pour la première tenue. Voilà, ça donne ce style-là. Donc vraiment, si vous aimez le style avec veste, eh ben c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de couleurs qui vont pas avec d'autres. C'est un bon combo, on va dire. Ok, on va passer à la tenue numéro 2. Tenue d'hiver, donc, que je garde sur mon cheval. C'est parti. Donc ça, c'était la tenue 1. Et vous allez voir, la 2 a changé un petit peu, mais on reste dans le même thème. Hop, et voilà. Donc très stylé aussi, je trouve. Alors... En chapeau, c'est la même chose, on n'a pas changé. Bandana, toujours le même. Manteau, donc manteau maintenant, on a la veste Benbow en noir. Avec des finitions blanches en fourrure pour l'hiver, pour la neige. Donc voilà, vraiment, celle-là, là, je la trouve vraiment stylée. Gilet, on a le gilet Rutledge, celui qui était dans les nouveautés. Vous le prenez en cuir noir avec surpiqûre rouge. Ça fait noir sur noir hein, sur l'icône de couleur. Mais il y a des surpiqûres rouges qui vont bien avec le reste de mes accessoires. Chemise, je crois que j'ai la même. Ouais, chemise ordinaire noire, comme d'hab. Ça, je touche pas. Ensuite, gants, c'est les mêmes. Les gants de cavalerie noire, surpiqûres rouges.
Boucle, c'est la même, boucle confrontation. Et équipement pour armes, ça change pas, toujours pareil, les mêmes en rouge clouté. Pantalon, c'est exactement le même, pantalon de ville à revers, mais on a foutu des jambières par-dessus. Donc ce sont des demi-jambières patinées de couleur bordeaux brillant. En fait, c'est de la peau de serpent, on dirait, hein, ou de je sais pas quoi. Ça fait, voilà, c'est de la peau d'animal, du cuir d'animal, ça fait du bordeaux brillant. Donc c'est pas flash, donc ça va bien avec, ça reste cohérent avec le reste. Et ça protège du froid, donc. Bottes, c'est les mêmes, on n'a pas changé. Éperons, bah de toute façon, on les voit pas, hein, mais j'ai toujours les mêmes. Si on les voit à l'arrière, bah c'est toujours éperon de vaquero rouge. Voilà, bon, je vais vous montrer dehors. Voilà ce que ça donne. Donc c'est certifié, hein, c'est bien les tenues pour le froid. C'est écrit quand je choisis mes tenues, une adaptée pour le froid et une... Bah regardez, on voit l'icône de mon cœur, un soleil, ça veut dire que j'ai trop chaud. Voilà, ça donne ça. Ok, je vais reprendre ma tenue normale. Maintenant on va passer aux armes les gars. Donc, je vais vous les présenter directement dans l'armurerie. Bon après, pour ceux qui me connaissent déjà, savent avec quoi je joue. Alors, en pistolet, j'ai les doubles revolvers Cattleman de couleur. Alors attendez, eux je les ai mis en... Tous en acier bleuté, tout en acier bleuté, voilà. Je les voulais de couleur foncée. Je sais pas pourquoi, je me suis dit des pistolets sombres, j'ai trouvé ça stylé, plutôt qu'en or. Donc voilà. Les doubles revolvers Cattleman, pourquoi? Parce que tout simplement, je trouve que les revolvers de base sont super efficaces. Voilà, ils sont puissants, pas hyper précis, mais ça passe. Ils n'ont pas une cadence de ouf comme les pistolets Mauser ou etc. Mais on va dire que j'ai pas trop besoin de cadence parce que les pistolets j'utilise surtout contre des PNJ. Donc voilà, et revolver tout simple, j'aime bien. Ensuite, vous me connaissez bien pour ça, carabine Lancaster en arme longue. Donc voilà, en style, il faut juste mettre le vernis le plus foncé, c'est le dernier. Et pour les métaux, il faut mettre le cadre et le levier en or. Tout le reste, vous le mettez en acier noirci. Voilà, Lancaster, j'ai même pas besoin de dire pourquoi je l'ai sur moi. Je trouve que c'est tout simplement la meilleure des meilleures. Voilà. Ensuite, pour fusil au corps à corps avec grande puissance, j'ai le fusil à répétition. Pourquoi celui-là? Parce qu'il a une bonne cadence de tir. Il a pas de portée, il est pas précis, donc faut vraiment être proche. Mais en général, quand je le sors, c'est que vraiment les joueurs sont proches. Les ennemis sont proches, donc voilà, super efficace. Je gagne pratiquement tous mes face-à-face avec ce fusil à pompe. Enfin, c'est pas un fusil à pompe, c'est un fusil comme un fusil, la même puissance qu'un fusil à pompe, mais il est pas à pompe. Voilà. Niveau du style, pareil, vernis est le plus noir et les métaux, il faut mettre le cadre et le levier en or. Tout le reste en acier noir. Voilà, avant j'avais le fusil à pompe normal, je le trouvais très bien, mais lui, avec sa cadence un peu plus rapide, je me suis dit, je vais le garder. Et en couteau de chasse, non je déconne, pour les armes, c'est bon, on se barre. Ok, donc maintenant je vais vous montrer mes cartes d'habilité. Donc attention, je préviens tout de suite, les cartes que j'ai là, ce sont des cartes pour joueurs qui n'utilisent jamais de sang-froid. Tout simplement, pour ceux qui ne savent pas, je n'ai jamais utilisé une seule fois le sang-froid dans le online, tout simplement parce que je le trouve dégueulasse. Je déteste jouer avec ça. Je trouve que ça gâche carrément le vrai gameplay du combat, le PVP. Je préfère jouer sans, ça donne du vrai combat, sans truc abusé, sans cheat. Et tout simplement, à chaque fois activer le sang-froid pour... Chaque ennemi à tuer, je trouve ça vraiment... Je déteste. Donc voilà. Ça, ce sont des cartes pour joueurs qui n'utilisent jamais le sang-froid. De toute façon, il suffit de voir, regardez, mon sang-froid, j'ai jamais amélioré. C'est toujours au niveau 1, j'ai jamais amélioré. Donc, pour la carte numéro 1, j'ai impitoyable 3. Donc, à chaque ennemi tué, je gagne beaucoup de vie. Sur 5 secondes, je peux vous assurer que ça m'a bien servi dans pas mal de combats. Donc voilà. Si vous arrivez à enchaîner les kills... C'est parfait, vous n'avez pas peur de crever parce que personne pourra vous buter, votre vie se régénère tout le temps. Pour la carte numéro 2, j'ai victoire en série 3, niveau 3 pardon. C'est tout simplement chaque tir sur la même cible augmente les dégâts à chaque fois. Donc au niveau 3, je peux vous assurer que ça fait beaucoup de dégâts arrivés au 3ème, 4ème tir. Donc en général, j'arrive pas jusque là, mais vous avez pu voir que des fois, les joueurs qui activent leur sang-froid anti-headshot ou anti-visé, non, pas anti-visé, on va plutôt dire juste celui anti-headshot. Donc la carte compétence sang-froid qui empêche de headshot les joueurs, c'est relou. Et donc, quand vous tirez dans la tête, les joueurs ne meurent pas.
Et bah, je peux vous assurer qu'avec cette carte, les gars en face, ils font pas les malins parce que je peux vous assurer que si j'arrive pas à headshot un joueur, et bah, je commence à lui mettre 2 puis 3 balles de Lancaster sur lui. Et en général, il meurt à la troisième balle parce que ça, les dégâts ont vraiment beaucoup augmenté par rapport au premier tir. Donc voilà, en 3-4 balles, il meurt. Ça, il n'y a pas de problème, ça me sert bien. Pour la numéro 3, ça n'a pas changé depuis très longtemps, j'ai ça depuis quasiment le début. Toujours équipé au niveau 3, c'est tout simplement un anti-headshot avec le chapeau. Donc voilà, ça bloque un tir, après c'est foutu quand vous avez plus le chapeau. Mais il y a certains modes où où quand vous allez respawn, vous allez regagner votre chapeau. Donc cette carte peut être très utile, comme par exemple Trésor de guerre, ou le nouveau qui vient de sortir et que ça saute. À chaque respawn, vous avez votre chapeau. Alors qu'en mode confrontation normale, vous n'avez pas votre chapeau. Quand vous allez mourir, vous allez revenir, votre chapeau sera pas là. Et puis à part ça, vous réduisez beaucoup les dégâts quand vous avez un chapeau sur vous, en plus de ça. Donc voilà, je répète encore une fois, c'est un combo de cartes très utile pour les joueurs qui n'utilisent pas sang-froid. La plupart des autres joueurs qui utilisent sang-froid et qui jouent qu'avec sang-froid, quasiment, ils auront un tout autre combo, ce ne sera pas du tout la même chose. Donc voilà, après ça, ça dépend que de vous. Je connais quelques joueurs, quelques abonnés qui m'ont dit pareil, ils détestent le mode sang-froid sur le online et qui ne jouent jamais en mode sang-froid. Donc voilà, c'est un bon combo pour ceux qui jouent comme moi. Pour finir, on va passer au cheval et à son équipement. C'est parti. Allez, écurie. Donc moi, dans mes chevaux, j'en ai que un seul, toujours le même depuis le début. C'est le cheval de l'édition ultime que j'avais acheté. Enfin, que j'ai eu gratuitement en achetant l'édition ultime. J'avais eu ce cheval. Donc c'est un cheval de course pur sang arabe, alezan noir. Voilà, au stat, vous pouvez voir que sa vitesse est presque à fond, comme tout autre pur sang cheval de course quasiment. Tout simplement, moi je ne prends pas les chevaux spéciaux complets, à stat complet, parce que je préfère la vitesse de pointe. Après, c'est sûr, le cheval a un peu moins de vie, il a peur, un peu moins d'endurance qu'un cheval complet spécial, mais je ne vais pas vous mentir, que mon cheval ait peur, ça arrive rarement, qu'il meure, ça arrive rarement. Et qu'il soit à court d'endurance, ça n'arrive jamais. Jamais, jamais. Grâce à sa selle, que je vais vous montrer juste après, et grâce à L3 que vous faites en courant, ça régénère son endurance. Donc voilà, moi je préfère un cheval de course pur sang pour sa vitesse de pointe, parce que tout simplement je suis toujours le plus rapide en course, ou même en mode libre, pour aller en premier dans un endroit, je fume toujours n'importe quel autre joueur. Donc voilà, j'ai gagné beaucoup de courses grâce à ça, et se rendre d'un endroit à un autre. Avec un cheval de course comme ça, c'est vraiment agréable, ça va super vite. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai ça. Maintenant, on va passer selle. Allez, selle, c'est parti. Donc moi, j'ai selle de voyage en panthère. Ça coûte 18 lingots d'or, donc c'est cher, c'est clair. Voilà pourquoi j'ai plus que 7 lingots d'or, hein, d'ailleurs, les gars. Et voilà, j'en avais plus de 40 il n'y a pas longtemps. J'ai commencé à acheter de tout et n'importe quoi. Je me suis fait plaisir parce que la mise à jour est en grande partie terminée. Donc on peut utiliser son or, ça y est. Voilà, donc celle de voyage en panthère, parce que tout simplement c'est celle qui, enfin c'est une de celles qui a le plus de pourcentage en vitesse de vidage de noyau. Et tout simplement, la vitesse de vidage de noyau de mon cheval, l'endurance et la vitalité, je trouve que c'est ce qui part le plus vite. Mon cheval, il s'affaiblit assez rapidement, je dois souvent le nourrir. Donc voilà, grâce à ça, je peux vous assurer que je le nourris presque plus. C'est super lent à se vider. Et voilà, en plus de ça, le moins 50% de vitesse d'épuisement. Voilà, c'est pour ça que j'arrive à sprinter aussi longtemps avec ce cheval. Et une bonne vitesse de régénération. Voilà. Mais le moins 26% du vitesse de vidage de noyau endurance, c'est ce qui me fait le plus plaisir dans l'histoire. Donc voilà, on peut dire que mon cheval n'est jamais fatigué avec cette super selle. Donc de toute façon dans la selle après, quand vous achetez des selles spéciales, vous ne pouvez plus la modifier à part sac de couchage et sacoche. Tout le reste, ça fait partie de la selle spéciale, donc voilà. Et en plus de ça, cette selle, je la trouve super stylée, je trouve que c'est la plus belle du jeu. C'est la seule avec des taches de panthère en blanche, comme ça. Les autres, je trouve qu'elles sont un peu moins jolies. Donc voilà, je trouve que c'est la plus stylée. Et en plus, ça va bien avec le mohawk blanc de mon cheval et la queue blanche de mon cheval. Donc voilà. Je le trouve parfait, j'ai pas à me plaindre. Toujours le même cheval depuis le début. En même temps, j'ai acheté l'édition ultime. Fallait bien qu'il m'en donne un bien, parce que sinon, je me serais fait arnaquer. Voilà, je suis très content. Regardez, il est stylé. Nouveau Gavastyle numéro 3, avec nouvelle apparence de cheval. Les armes ont changé, parce qu'avant, j'avais
pas de fusil à répétition. Et mes cartes d'habilité ont changé aussi. J'en ai essayé 3 dans les compétences de récup. Donc les 3, je les ai améliorées niveau 3. Donc vous imaginez un peu la thune que ça fait. Ouais, on en est à plus de 2 500 $ rien qu'avec ces 3 cartes. Donc voilà, c'est vrai que j'ai usé pas mal d'argent dedans, mais j'ai pas usé d'argent du tout dans les compétences de sang-froid. Et ça va, je suis content. Ok, voilà tout le monde, vous me direz ce que vous en pensez, si le stuff vous plaît, si l'apparence vous la trouvez stylée. Les cartes de compétences, il n'y a pas vraiment besoin de donner un avis parce que chacun joue à sa façon. Donc chaque combo de compétences correspond à chacun des joueurs. Donc ça, il n'y a pas vraiment besoin de donner un avis en disant c'est pas bien ou c'est bien. Mais voilà, pour le style, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, les gars. Salut. J'ai vu mon avenir dans ta tête de haine, je suis sur un album. Et je pourrais parrainer ta défaite avant qu'on me nomme. Mon gava, tu connais les pailles. Arrête de nous guetter pendant qu'on graille. On nous aime pas, on vous aime pas.